D'un côté, Gérard Fromme, 69 ans, maire sortant, Parti socialiste. De l'autre, Romain Grisca, 25 ans, divers droite. Deux candidats que tout oppose, dans le fond et dans la forme. Gérard Fromme défend son bilan. Pépinière d'entreprise, quartier rénové, hôpital. En 6 ans, il estime avoir bien géré Briançon. Nous avons assaini les finances, nous avons démarré une dynamique économique et je pense qu'aujourd'hui, ça serait une erreur que de vouloir changer de cap et de changer de capitaine. Donc aujourd'hui, je dis aux Briançonnaises et aux Briançonnais, ne partez pas à l'aventure avec quelqu'un qui n'a pas de compétences, restez avec une équipe solide, qui est professionnelle, qui sait ce qu'elle fait et qui a montré qu'elle était capable de le faire. De son côté, Romain Grisca souhaite incarner un renouveau pour Briançon. Pour le second tour, il en appelle à l'union des forces de droite. Il dispose d'un important réservoir de voix depuis que l'autre candidat de droite, Arnaud Murgia, a retiré sa candidature. Tout simplement, aujourd'hui, c'est un message d'ambition, un message de développement économique, une véritable vision pour Briançon. Je pense que mon équipe a une véritable vision. Nous avons rédigé un programme de 24 pages, un programme réaliste, finançable, ambitieux. Et nous avons en face de nous, finalement, le maire sortant qui gère Briançon à la petite semaine et qui, aujourd'hui, je le pense très sincèrement, n'a plus envie d'être maire de Briançon. Une forte mobilisation des abstentionnistes du premier tour pour l'un, un bon report des voix de droite pour l'autre, seront les deux clés du second tour des municipales à Briançon.